coup, les filles, là je vais aller au travail. Hop, je suis un peu en avance, donc j'en profite pour en même temps filmer. Voilà, on commence la journée avec des gens en warning sur le bas-côté. Voilà. Ouais, bon, merci quand même de me laisser passer. C'est gentil, en même temps, vous me bloquez la route depuis tout à l'heure. Enfin, ça c'est un détail. Moi, quand je m'énerve, en fait, je passe au québécois. Le français ne me suffit plus. Me suffit plus. Non, mais les filles, je vous ai dit qu'à force, à force, à force de parler québécois avec vous pour rigoler, je commence à parler québécois dans ma vie au quotidien. Et là, ça devient chaud, par contre. Parce que là, je ne me reconnais pas, quoi. C'est une petite journée avec une petite brume ensoleillée, là, avec des petites gouttelettes qui tombent. J'aime beaucoup ces journées-là. Très agréable. Oh, monsieur, vous êtes pressé, moi aussi, hein. Sachez-le. Voilà, un rond-point que personne ne respecte. Mais moi, je m'en fous, je m'engage parce que je suis prioritaire. Voilà. Mais au bout d'un moment, si on s'engage pas, on se fait engager, donc ça sert à rien. Oh, il y a mes petites Yankee Candle qui pendouillent. Vous savez que j'arrive plus à les retirer, hein. Là, j'arrive plus à les retirer. Ils sont restés bloqués comme ça. Je sais pas quel système j'ai fait pour que ça reste comme ça, mais vous savez que là, pour filmer et que mon téléphone ne tombe pas, j'utilisais du scotch, quoi. Et je vais... Donc, c'est des petites gouttelettes de pluie. Ce sont les pires parce qu'ils tachent votre vitre. Est-ce que j'ai du liquide pare-brise, moi? Ouais. On va nettoyer. Comme ça. Oh là, j'active un truc. Je ne sais même pas ce que c'est. Il y a du monde sur les routes en ce moment, mais je crois que c'est à cause des grèves. Il n'y a jamais eu autant de people in the streets, quoi. Quoi? Pourquoi tu klaxonnes? Et le feu, il est rouge! Pourquoi tu klaxonnes? Espèce de merguez! Même les feux, vous les voyez pas. Ah, là, c'est plus des petites gouttelettes, hein, Iberic, ce sont de grandes avalanches. Hop. En fait, il fait humide, c'est une journée humide. Une journée hammamesque. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu vidéo, un peu n'importe quoi. Alors on n'a pas de règles laissées. En tout cas, je vais commencer à vous présenter dans le début de ce petit vlog des petites abayas super cosy, super chill, super tout ce que vous voulez pendant Ramadan, pendant le reste de l'année, qui sont quand même jolies et en même temps décontractes. Moi, j'ai un coup de cœur pour la rouge, donc je vous la montre. Elle est comme ça. Donc là, on a la beige. Elle est trop belle. En fait, c'est la couleur, ça fait ressortir un peu le bronzage, c'est joli. Voilà, vous les resserrez au niveau de la taille, comme ça. Vous pouvez resserrer beaucoup, pas trop. Moi, j'ai pas trop resserré. Alors ça, c'est ce que j'appelle un bleu canardesque. Un bleu très pimpant, là, super. Vous me direz, les filles, en commentaire, c'est laquelle vous préférez. Moi, pour le moment, c'est toujours la rouge. Ensuite, j'en ai pris une violette. J'ai l'impression que je deviens daltonienne, les filles, je vois mal les couleurs. C'est du violet. Vous voyez, pour le moment, j'ai pas pris de noir, mais j'en ai pas pris du tout. J'ai juste pris une qui ressemble un peu à du noir, vous verrez. Mais voilà, on essaie un peu les couleurs là. Donc là, c'est du violet. J'aime bien aussi la couleur. Ça va bien au teint. J'aime bien. Voilà la plus foncée. Elle est pas noire. Elle est. En fait, elle est vert très foncé. C'est un vert. Alors comment on dit là, le vert très foncé, on appelle ça un verbe, on appelle ça un vert triste. Non, franchement, les filles, il est trop beau, celui-là j'aime bien. En fait, ça paraît pas comme ça à la caméra, mais ça fait, je sais pas pourquoi ça fait un beau temps. Donc voilà, pour être un peu discret là, parce qu'avec ces couleurs là, faut se calmer même. On va où même là? On va au carnaval de Rio? Ah ben calmez-vous, c'est mieux pour vous. Voilà, ça c'est très bien et c'est sobre, voilà, moi qui aime trop les trucs sombres.
Non, mais je rigole, je les aime aussi, les autres, les filles. Surtout en été. Me sens si Celui, les filles, on va manger. On a trop faim. Je sais pas si c'est lequel, regarde ici. Ça, c'est le tien, je crois. Attends, regarde, tu vas, je sens que tu vas te faire tomber, tu prends avec un doigt les trucs. T'inquiète. Attends, il y a écrit, il y a écrit. Un menu cheeseburger, tiens. Merci. Oh mon dieu, c'est trop bon. Tiens, tu m'as dégoûté de l'algérienne et du ketchup avec ton mélange là. On a fait une vidéo. On boit. Ah, j'arrive à m'expliquer. Où elle a fait un mélange chantilly, algérienne et ketchup. C'était le mélange le plus horrible au monde. Si vous avez envie de vous venger de quelqu'un, faites ce mélange. C'est vraiment le mélange du vomi. Ça sentait le vomi. C'est vrai. C'était horrible, ça sentait le vomi. Et tellement on est des ogres, on va manger après ça. Ah, moi j'ai très faim. Pas de neuf. Hein? Pas de neuf. Bah ouais. Tu parlais pas, toi? Hein? Je parlais aussi. C'est juste un mukbang bruit de bouche. Voilà. Je crois que je vais me faire un signet. Hein, au cœur. Tu vas regarder quoi? Je ne sais pas ce qu'il y a à l'affiche, mais. J'ai des places, donc je vais aller regarder. Tu veux venir? Je vais revenir. Le cheese avant qu'il fonde. Pourquoi moi j'aime les cheese au... Double cheese. Les double cheese au Big Mac ou au Giant et tout, c'est parce qu'il y a le cornichon dedans. Et un peu de moutarde, ça change tout. Comme ça, ça j'y ai pensé, je lui ai dit 4 algériennes et 4 ketchup. Sinon on oublie à chaque fois, on va demander et c'est payant. Non mais c'est payant. Ouais. Bah oui. Non mais leurs frites elles sont trop bonnes. Trop bonnes, ouais. Ouais, on dirait on est en été là, franchement. Et alors qu'hier il caillait. Ouais. Oh, mais c'est pas bon signe, hein. Réchauffement climatique, hein. J'en reconnais. Mais c'est vrai. C'est pas bon signe, hein. Mais tu connais pas tout ça, toi. Si, je me suis renseignée. On n'a jamais parlé de ta vie. Je me suis renseignée. Les filles, regardez ce magnifique hijab qui s'enfile. Donc je vous montre pas comment je l'enfile parce que je suis restée bloquée. Et moi, les filles, j'ai une grosse tête, donc vous fiez pas à moi. Donc, il est trop joli. J'ai pas pris d'épingle, mais voilà, vous l'attachez, vous le mettez comme ça. Bon, les filles, là, je suis en pause. Les meilleurs coca au monde, c'est des coca chéris. C'est les meilleurs, les meilleurs. Je suis en train de manger des chips. Bon, les filles, je vais vous laisser. Ça m'a fait plaisir de vous faire ce petit vlog et... je vais enchaîner. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'est pas propre ça, madame. Voyons. Je vais enchaîner les podcasts, les lives et tout, les filles. Vous m'avez manqué. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai oublié. Ah oui. On va vous faire Soukaina et moi. C'est une annonce. Des podcasts tous les soirs. Un sur sa chaîne, un sur le mien. Un sur sa chaîne, un sur le mien. Donc vous aurez un podcast tous les soirs, les filles. On va s'éclater là. On va parler de tout et de rien. On va chanter du Booba. On va chanter du Céline Dion. Enfin bref, on va se lâcher là. Je crois que en ce moment, on a tous besoin un peu de lâcher prise. Là, parce que ça va pas du tout. Voilà. Les podcasts tous les soirs là. C'est officiel. C'est à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quoi? On est... Mercredi 8 mars, 9 mars, je sais pas. En tout cas, je vais poster cette vidéo aujourd'hui, donc c'est à partir d'aujourd'hui. Les filles, je vous fais plein de bisous. À la prochaine, les bibettes.